La confirmation vient de tomber. Mickaël Delafosse a gagné. Hussein Bourgi, le premier secrétaire du PS, ruisselle de bonheur. Julie Fraîche, un des piliers de la liste Montpellier Uni, harangue la foule juchée sur une chaise. À l'extérieur, les supporters commencent à arriver sur l'esplanade et les embrassades s'enchaînent. On soutient depuis des années, on est là en souterrain et tout, on est trop heureuse. Et on connaît son charisme, ce qu'il va faire pour Montpellier, c'est juste formidable. Mais quand même la question de Sorel, il était dangereux pour Delafosse. Et là, il a balayé quoi. Enfin... C'est la surprise de la soirée. Avec 13 points d'avance sur le maire sortant, la victoire de Mickaël Delafosse est écrasante. Dans le café, on attend la fin de son intervention sur notre plateau pour l'accueillir et célébrer ensemble le choix payant de l'alliance réalisée avec les écologistes. Je me réjouis non seulement pour Montpellier, mais pour l'ensemble de notre pays, puisque la vague verte est confirmée. Donc c'est formidable. Vers 23h, Mickaël Delafosse fend la foule devant le pavillon populaire, où il s'apprête à prononcer son premier discours de maire de Montpellier. Un discours qui débute par un héritage assumé et un hommage à son mentor, dont il brandit la canne aux côtés de sa fille. Georges Fraîche. En rang serré avec les responsables politiques socialistes d'hier et d'aujourd'hui, Mickaël Delafosse livre un premier message de rassemblement. Et le professeur d'histoire fait référence aux grands anciens de son courant politique pour définir ce que sera sa gouvernance. Je serai un maire qui saura mettre en œuvre cet adage magnifique de Pierre Mendès-France qui orne l'entrée de notre ville. Gouverner, c'est choisir. Visiblement ému après 30 minutes de discours, le nouveau maire de Montpellier entonne la Marseillaise avec ses supporters. La fête durera encore quelques heures sur l'esplanade.